Assalamu alaykum mbokk ak xariti di len wax dal len ak jam ci sen chaîne Korat Kama TV tay sen émission bi am ay bëss bu né di entretien avec da fay dalal ki ñu woy Cheikh Omar Diagne muy enseignant chercheur économiste et analyste géopolitique di na dikkat ak ñun ci actualité africaine bi ak bu Sénégal tamit di ka dalé ci mbass mi ba ci série télévisée yi waye tamit di na dikkat ak ñun di jëm ci walum éco di moné bi ñu wara bokk ñun zone CEDEAO ak tamit problème foncier bi nga xamni mo lembe rew ba ñep diko ciow dina ko saytu ciambat ko indi ci explication. Je suis enseignant chercheur donc pour le compte du centre de recherche et d'études en stratégie finance et administration qu'on appelle CRESFA. Donc j'enseigne des disciplines comme la stratégie, la finance, le développement personnel. Donc je suis consultant en même temps aussi je suis écrivain. Donc voilà de manière ramassée Cheikh Omar Diagne. J'écris dans des matières différentes. C'est ma première œuvre, ça traite du soufisme. Donc ça s'appelle Confidence Soufi, donc, qui traite du tasawuf en général, de ce qu'on appelle la gnose, ce qu'on appelle la marifa. J'ai beaucoup de. En dehors de ça, j'ai écrit d'autres livres sur la politique, sur l'économie, sur la monnaie. Quand même, ça m'a spécialisé en réalité. Sur le développement personnel, c'est mon dernier livre, il traitait le développement personnel, ça s'appelle Les clés de la félicité. Donc c'est paru aux éditions Saint-Honoré en France. Donc actuellement, je prépare un bel ouvrage qui s'appelle Herméneutique du rêve. Donc il traite du rêve, de la signification du rêve, de l'interprétation des rêves. La crise devait réveiller les Africains pour que nous puissions conquérir leur souveraineté. Parce que l'Afrique, par incendie, il faut nous comprendre que l'Afrique est perçue dans le monde comme une colonie. Dans tous nos rapports avec les Occidentaux, avec le reste du monde, nous sommes une colonie, mais nous ne pouvons pas nous conquérir. Donc l'Afrique n'a pas essayé de rompre avec cette tendance-là pour s'inventer son propre modèle. L'Afrique, donc, je dirais que c'est le plus mauvais élève de la crise de Covid. Donc la Covid en général, ses conséquences, la crise a généré une récession, bien ramené. Depuis les années 30, récession Melnoro, le monde est bien, n'est-ce pas? Donc ça a perturbé le commerce mondial, ça a perturbé les échanges, ouagne drastiquement les ressources des États en matière de fiscalité, de taxes, etc. Ouagne considérablement les budgets, parce que le budget est amélioré, surtout dans la dimension investissement. Les budgets, ils ont été corsetés pour l'approche fonctionnement et l'approche résilience de la crise, presque dans tous les pays du monde. Donc la crise a montré que la souveraineté est encore aujourd'hui, plus que jamais, le chantier le plus important pour l'État arabe. Donc beaucoup d'États insensés ont été presque asphyxiés, pour nous confiner cette économie. Ils ont été asphyxiés parce que ils dépendent de l'étranger, c'est le cas du Sénégal. Ils n'ont pas autonomie, ils n'ont pas décréter des frontières à temps pour aider les peuples. Donc la crise devait nous aider à nous concentrer sur nous-mêmes, à nous affranchir des services publics que nous pouvons importer de l'étranger. Nous devons faire le suivant. Malheureusement, tout cela, rien n'a été fait. La souveraineté est un luxe, c'est un coup de sacrifice qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est notre souveraineté. Le monde est un aspect de la souveraineté numérique. Peut-être que ce n'est pas l'objet du débat, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on aujourd'hui, sur ce monde-là qu'on appelle le monde numérique, nous sommes presque inexistants. Nous n'existons pas. Donc, je vais donner un exemple avec Internet dans le monde. Internet dans le monde, une société peut gérer ce qu'on appelle les serveurs, mais gérer l'adressage, les adresses IP, les numéros et tout. C'est le groupe ICANN aux États-Unis. Donc, ICANN, dans sa construction, elle n'a que 13 serveurs. Il y a un serveur de sushi, un serveur de centre, mais gérer le monde. Le serveur est un petit peu dans le continent africain. Il y en a 9 aux États-Unis, il y en a 2 en Angleterre, mais il y en a 2 en Stockholm, il y en a 1 à Tokyo. Ça a fait, si on parle le monde aujourd'hui, l'Afrique n'en fait pas partie. Les grands géants de l'économie mondiale, les notés économiques mondiales, pour les États-Unis, tu vas entendre parler des GAFA, ou des GAFA, le groupe Google, Amazon, Facebook, Apple, même Microsoft. Les natures, Netflix, moi, le grand gagnant de ce confinement-là avec les films, il a gagné plus de 5 milliards de dollars en l'espace de 3 mois. J'ai fait. Donc, Airbnb, Tesla, toutes ces entreprises-là travaillent sur le e-commerce, sur le numérique et sur les internets. Donc,
en Afrique, on n'a pas cette entreprise-là. L'entreprise est bien signée, parce qu'il fait des PIB de plus de 150 pays du monde. Donc aujourd'hui, en Afrique, ce qu'on a raté, la guerre, on a raté les SARL, ce qu'on appelle les géants. Donc l'Afrique n'a pas de géants, donc nous ne sommes pas souverains. Dans l'échelle de la souveraineté mondiale, l'Afrique n'existe pas, malheureusement. Nous sommes pires que des consommateurs, nous sommes des spectateurs. Il y a des gens qui ont des taxes à consommer. Avec nous, nous n'avons pas d'initiative, nous ne faisons absolument rien. Nous nous contentons de faire des gens qui font des guerres commerciales, des guerres économiques, des guerres numériques, des gens qui font des affaires, de nous donner des produits. Après ça, on ne donne pas le choix de notre consommation parce qu'on nous oublie ça qu'on va consommer. Il y a des accords liés de l'humanité africaine, spécialement au Sénégal, avec nos groupes mondiaux. Nous, on ne donne même pas le choix de consommer de l'humanité. Donc, nous sommes totalement absents et le monde qui est devenu essentiel, c'est un monde où on va parler d'ADN. Des acteurs transnationaux, c'est des acteurs plus importants que les États qui vont faire leur voix. Aujourd'hui, l'Afrique voit le monde de guerre. Les États-Unis positionnent, la Chine a répliqué le modèle américain. Parce que les États-Unis, vous avez GAFA, Chine a créé les BATX, moi, le groupe Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Donc, tout le monde est en train de s'activer sur cela. Il y a des grands géants qui vont aller conquérir le monde, sauf nous. Nous sommes un gâteau à se partager, malheureusement. Bon, il existe dans toutes les politiques publiques. C'est une ressource. On parle ça de pétrole. Il y a un pétrole grand solo. On parle de pétrole. Le pétrole est en phase de disparaître dans le monde. Le pétrole n'est pas une ressource extraordinaire. Donc, le SAIM est le cœur de notre débat en matière économique. Donc, les problématiques liées à l'eau sont là. Les problématiques spatiales sont là. Les problématiques numériques et sur les données. La guerre des données actuellement est lancée. Nous sommes en retard par rapport au monde. Les siècles qui sont des extras africains, ça en fait rire. Ce siècle-là ne sera pas du tout africain. Parce que SAB, on a raté le départ de ce siècle-là. On doit se consacrer à la colonie, on a rattrapé au fil de 2050 pour nous doubler dans la bourse. Actuellement, sincèrement, nous serons encore spectateurs dans ce qui se fera dans le monde. L'Afrique, depuis sa colonisation, l'Afrique d'un coup relégué à un dernier plan. C'est-à-dire que l'Afrique a moulé. Initiative, pareil, amoul le choix. Même si le dirigeant, si le président sénégal, le président Yipa, c'est une chance pour moi attirer des investissements directs étrangers dans les idées, attirer des investissements étrangers, endetter avec des taux de marché intéressants dans le marché international, que ce soit à Europe, que ce soit dans la Coupe de Paris. Donc, théoriquement, il y a un rapport avec la Coupe de Paris. Le Sénégal est le pays le plus endetté de la Coupe de Paris. Presque 1,4 milliard de dollars. Donc, nous avons un peu de Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que, sur le schéma exporté matière première, là, mais sans intelligence, on n'a pas des dirigeants qui sont en tout cas au profil qui travaillent pour les Africains. Le coltan du Congo, la bauxite de la Guinée, l'uranium du Niger, tout cela risque d'être une histoire dépassée. Même ces énergies-là, même ces ressources-là, les ressources fossiles, les ramènes. Ils ne sont pas dotés sur la Terre de manière illimitée. Il dire. Et le monde d'après le source-là a déjà été pensé à ça. Donc, ça, il sait comment on doit faire. Déjà, si je prends l'exemple, dans l'auto, gasoil, essence, carburant, d'ici peu, il faudra dire. Tesla travaille dans ça et d'autres entreprises SAI. Les voitures deviendront électriques. On parle d'électricité sur l'auto, mais pas de gasoil, et kérosène, etc. Donc, pour dire que. Ce qu'on appelle les grands acteurs du monde commencent déjà à penser qu'après uranium, après bauxite, après coltan, après zircon, qu'est-ce qu'on doit faire. Nous avons côté déjà pris les ressources pour grand gagne. Malheureusement, nous sommes très très surpris. Nous dirigeants pour diriger Yobu Fouba. Nous avons un peuple conscient pour exiger Yobu Fouba. Nous avons un intellectuel syrien qui a théorisé de manière endogène. Quels sont nos problèmes et comment les régler. Nous avons des intellectuels qui sont répétiteurs, c'est des gens qui répètent ce qui se passe dans le monde, qui ne sont pas nos réalités sociopolitiques ni historiques. On a des dirigeants qui pensent à s'enrichir, qui travaillent pour un groupe, peut-être c'est leurs partisans, ou leurs frères, ou leurs amis. On a un peuple qui est endormi à être dans des futilités, dans de faux combats avec des tchahans. Sur le domaine internet, c'est une vidéo-là qu'on est en train de faire ça. Peut-être nous gagnons la topé et théâtre du Niak Solo, et l'ambou du Niak Foulo, d'une côté, et puis nous avons un peu de temps à dire à ce qu'il y a. Donc, ça, c'est un problème. Je vais dire un exemple. Comment comprendre le Sénégal au 21e siècle? Pour l'instant, nous avons un peu de temps. Nous sommes obligés à faire un mall dans 3h, 4h du matin, donc nous avons un peu de temps à dire. Même si, comme nous avons concevoir, au 21e siècle, l'homme va vivre de chasse. Si nous sortons après, on va aller voir un mal, un peu de mal, un peu de mal, un peu de mal.
Mais pourquoi ne pas avoir ça, des champs de poissons, de l'aquaculture, etc. C'est que jeune wor ñu dem di ko di xaar geej ci ay humeuram pour mëna am jeune, alors que des bassins pouvaient être créés suñu besoin à jeune. Ñu ñoko don comme ñu ñuy yaré ñu soxla ci yap ci nak ci xaar do yoro amé tam ay bassins pour so ci jeune. Donc aujourd'hui nous sommes en retard dans tout ce qui se fait et d'ici quelques années nous allons suñu ndox yi sa doomu jeune ndax jaarine geej yépp joxñ ko ay contrat chinois yek union européenne ak ñepp. Ils utilisent des moyens non conventionnels parce qu'ils ont des fumatailles. C'est une de qu'ils ont de grands bassins avec des rivières et des espèces qui sont pour le nap. Ils viennent avec des grands bateaux, des ratisser totalement les ressources que les Africains ont. Et la stratégie de l'Europe, de l'Europe, de l'Europe, c'est une stratégie de l'Europe, le Sancho Liuji. Moi, les tantes stratégies de l'Europe, les gens qui sont en guerre, qui sont en guerre. Le champ, c'est une chose comment fatiguer ton adversaire en te reposant. C'est l'Afrique le futur de l'humanité, mais pas les Africains. Bon, c'est le sago, ils vont éliminer tous les Africains et s'approprier de l'Afrique. Et nous, les Africains, malheureusement, nous n'en sommes pas très conscients. Il faut dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que les Français vont reçu mon nom. Nous avons dit que les soi-disant professeurs qui sont ici, qui sont dans les magasins universitaires, ñoon taxone ni ay waxu activiste la. Je précise, nous sommes pas des activistes. Activement, je ne comprends même pas le mot activiste qui est. Donc nous sommes là au service de la connaissance. Li wax lu leer la. France mom xalissam moko garantie, mokoy émettre, mokoy défar, moñu ko jox. Ba paré lepp décision mom moko ci jël. Lolu ñun xalissu ko sa ci ko mom ñu bok. Xalissu France la. La preuve, dévaluation yi France mom xalato moko def. Fiñ koy défaré Banque de France là que city yépp Banque de France mokoy coordonner. Qui va garantir le trésor français. Donc, mon avis, ça ne nous appartient pas. Et donc, l'écho nous donne raison en bataille. C'est un deuxième point bien entendu qu'on a soulevé depuis le début, d'alerter, mais dès que nous disons, moi, que l'écho n'est qu'un CFA bien entendu qu'on a changé le tout. Parce que, il faut qu'il y ait des lois dans le projet africain pour nous comprendre l'écho. L'écho, projet CDAO. Là. CDAO, 15 pays, les rappels. Nous avons eu Togo France, n'est-ce pas? 8 pays, nous avons peut-être aussi eu Togo France. Ay ñen ay tok France waye buñu démé ba éco CDAO ñu do tabax ci pour wa CDAO di dem ba ay courel bu ndaw ci bi CDAO ñu wax doyé mo wa bëgg dippé ñom sen xaaliss éco sans tango sen ay morom sen ay natan ñu sékkul projet bo day wone rek ni éco bi kon éco France la motax la France la analyser discours bi France ñu def ci ko fi en Afrique ba par Sénat assemblée française mo ci dékk wax ñun ba instant bi suñu ay parlement wax ci té duñ ci wax. Parce que les questions monétaires ne sont pas souveraines. Nous avons une souveraineté monétaire. Et souveraineté monétaire, quelqu'un qui a fait un bon monnaie, qui a décidé de faire un développement de monnaie, qui a endetté sa propre monnaie, qui a levé des taxes de monnaie, qui a volé une souveraineté. Nous, c'est le Sénégal, nous avons besoin de voler, nous avons besoin de souveraineté sur la monnaie. Donc, c'est un projet français qui a fait. La France a eu l'idée de torpiller le projet ouest-africain, de l'arranger. La France. Maîtrise na wa UMOA way amul maîtrise bu baakha baax ci ñom ko ci ñom Nigeria ñom Ghana ñep et donc Afrique de l'Ouest mom France bugul nak wurtu parce que le premier marché de la France way c'est la même chose ñu tax mo wax la même chose parce que le projet éco bi Dramane Ouattara wax ak Macron la France moy yor batay sa garantie moy ben ñaar elle sera à parité fixe avec l'euro. Limon, c'est une communication officielle France là, nous travaillons avec eux. CFA, l'ILO, CFA a garanti France là. France a été arrivé à l'euro. Après tout, France a décidé. Donc, c'est exactement ce que le CFA a été. Et qu'on a dit, elle est différente de ça. Et qu'on a dit, la Banque Centrale Fédérale a été portée. La Banque Centrale Fédérale a été créée. Et qu'on a dit, taux de change flexible, nous n'est que fixe. Il y a un taux de change fixe par rapport à l'euro. Et que bon, elle va réunir 15 pays, et que bien, 8 pays nous concernent. Donc, c'est nous, CFA, pour l'échange de l'euro. N'a rien qu'aux Africains, comme d'habitude. Garantie, puis, en réel, ça n'existe pas. France garantie. En France, il y a un Africain. Donc, pour les garanties, garantie, moi, garantie, bon demain bah j'ai fait ça avec mon monnaie. Maintenant, il y a que ça m'a réservé, ça m'a monnaie, maintenant, secourir. Nous sommes sur une monnaie, nous avons un problème jusqu'à 1993-1994. C'était son premier problème. France devait croiser les bras et les débrouiller. On nous a dévalué
c'est avant dévaluation de 1994. Donc France garde sa propre monnaie. Bon demain, la garantie française, parce que l'accord de coopération monétaire et de nature budgétaire, maintenant trésor public français, moi géré, moi assuré français. Donc si vous voulez comprendre la garantie, il faut une délocon dans la loi de finances française. Bon demain, vous aussi gouv.fr pour voir le gouvernement français. Bien qu'il faut les lois de finances depuis toutes les années. Bon demain, loi de financier, parce que garantie pour trésor public de joxe benen deug ci bir loi de finances fora nek. Bon demain, si mais bon demain, gis BCAO, BAC ak BCC, moy ñetti banque yi amé la zone franc, moy banque centrale l'Afrique de l'Ouest bi, la BAC moy pour Afrique pour la CEMAC ak la Banque centrale du Comore. Ñet yi ñu yëp ci verra France c'est zéro. C'est que y a aucun montant que la France a prévu pour garantir ces banques centrales. Donc quand tu l'as dit qu'on garantit amna ko, dañuy nax. Légui nak problème bi il faut comprendre que la monnaie est stratégique. Bouté dañu am ben compte bi xamné France mo koy téy par force. Mu nekk ci loxom. Lépp li def comme jënd ak jaay li jaar fofu. Da fay may France ben droit de vue, ben vision sur l'économie des pays africains. Ci lañuy jënd, kan lañuy jëndantel ak fa lañuy jëndé. Manam lolu mo neub France. France fait opération, on leur compte d'opération. France fait toutes les opérations pour en devise. Donc France bu amé information stratégique bobu da fay tax mu gëna am ben maîtrise sur les colonies. Da tax mu gëna mëna préparer ay offres par rapport ay entreprises pour mëna concurrencer les concurrents yi jëndé ay bari bari. Donc c'est la France qui gagne en réalité ci bir compte d'opération. Donc garantie bi encore une fois ça n'existe pas. Garantie bi tamit elle est coloniale et lolu mo xamna peut-être du am temps guddal ko mais il faut ñu comprendre toutes les monnaies supranationales parce que première histoire monnaie unique bu ñu xam ci aduna bi. Bible mo ñu ko jangal. So demé le livre premier des Maccabées, il fait histoire Alexandre le Grand bi xamné qui était le fils de Philippe de Macédoine bi xamné mo jëk conquérir tout l'Orient ba mu dé ñu xar empire en quatre parts jox ay successeur ken successeur mi ñu wax Antiochos IV Epiphane bu mo jëk jël mo jëk dond la Judée la Samarie ak la Palestine diko doxal avec le monde unique mo jëk andi monnaie unique ci aduna bi donc histoire monnaie unique xam nañ ko nu mu lié ak les empires xam nañ les monnaie unique lan moko mësa tax dug dans toute l'histoire de l'humanité monnaie unique musul am lu moy pour dominer un peuple quand on crée un empire on crée une monnaie unique pour dominer le peuple l'empire romain on avait créé le sesterce pour dominer toutes les occupations romaines l'empire austro-hongrois avait créé la couronne l'empire nous sax le khalifa omeyyad avec le dirham pour maîtriser ñepp ñi xamné ñoo nekkon ci wacc ci walam le kourouch de l'empire ottoman ñepp ñu coloniser won tam mo fon dabal tant que toujours dans une monnaie unique il y a une puissance il y a un empereur derrière dans la monnaie unique nak ouest africaine qu'on appelle le CFA il y a un empereur qui s'appelle la France dans la future monnaie unique qui s'appelle l'euro il y a un empereur bi xamné qu'on ne connaît pas encore donc monnaie unique yi mësul régler ben problème dans l'humanité une solution économique donnée dans un moment de l'histoire, on ne sait jamais. Donc, la parité fixe, c'est dire que la monnaie fibre à jack jack. Ça y a une unité de monnaie étrangère l'île et witch de manière fixe. En principe, comme tu as dit, si tu as dit que tu as dit que tu as dit que il fera quel degré, tant ou suba. Pour me évaluer tay di suba ndox bi vague la marée li meuna mesurer munuma ko wax tay di parce que y a des phénomènes qui sont naturels yi xamé au jour le jour ndoxal la monnaie en fait partie en réalité la monnaie est une petite chose bi xamé dépasser le sujet économique di wax dans sa dimension purement marchande la monnaie a une dimension sociale stratégique et politique bi xamé nos gouvernements monétaires li ñu ñom donc motax soy xol ci monnaie on parle de cours. On parle de cours d'une devise, de cours de la monnaie, cours comme cours d'eau. Parce que d'ailleurs, nous savons qu'il fallait être taxé, nous savons qu'il fallait être taxé. Mais la parité fixe, c'est une entrave au fait au cours d'une monnaie. C'est-à-dire que nous avons une réalité, madame, une vie monétaire sur l'État. Nous avons dit que nous avons une réalité monétaire européenne, mais nous avons dicté sur nos environnements internes. Wow. Quand un pays a une souveraineté culturelle, madame, c'est sa culture, il n'est pas souverain. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a des pratiques qui sont des milieux différents. Moi, je suis venu à l'instant de faire. J'ai eu un peu de Syrie qui a eu le monde du Sénégal. La Syrie est tout à fait. C'est un peu plus bien. Il faut créer une société pour le Sénégal. C'est la Syrie qui a eu toujours la sexualité.
maintenant day wayne sexualité bi dafa gëna takkar nasé les fidélités da fay gëna wayne mariage amul solo parce que bi séri si nek ci mariage ni di son di torox kenn ki am dafa baña sey nek ci donka ci yëm nek ci jammam séri séri yi xamé dafa am benen homme sénégalais bu nek tabax dans un pays sérieux nak autorité ni am vision ci lepp ñu produire par la culture ndax mo gëna gaaw influence jeunesse que programme sax nek ci école ci éducation nationale soutien bu na to nga am jeunesse bi xamé ni est en Sénégal près de 67% ou 66% de la population au moins de 25 ans donc ils sont très influençables à travers la culture les médias et donc sérieux nak il y a des personnes derrière yi xamé nek ci ginnaw yi xamé am nañ objectif bu ñam Sénégal donc damay jox exemple taw Ibrahim Italien dafa def temps yi sorti di expliquer woné ko diko jouer lo ben rôle mi xamé rôle bobu lolu fonto l'islam la ndax rôle bobu dañu jël ben principe l'islam mabbu ko wayne carrément len du dara ben dañ ko fay xay su bari je le godom il a refusé parce que diné moko télé ko jouer ce qu'on appelle le mondialisme c'est différent de la mondialisation le mondialisme qui est d'origine sioniste dafa am bio tak yalla ci souf dañu wara génné yalla ci lepp lu yoré souf donc génné yalla bobu nak ça passera par désacraliser l'islam ça passera par ñakal fayda kilifa diiné ça passera par ñakal fayda yonté yalla muhammad ak isaaba ça passera par fonto alquran ça passera par djouer sa ay fuy chaque fois di woné islam djuluti di woné imam di ko ñakal fayda imam bi di xakataay imam bi djuli tagu djuli fo fo yépp dafa nek ben programme bi nga xamné dafay désacraliser diiné tout domaine l'Europe est passée par ça l'Europe a désacralisé le christianisme aujourd'hui les européens fallait au christianisme fallait l'église l'église et ça ils sont vite donc il faut que l'Afrique parce que le nouvel ordre mondial médias et artistes les piliers donc une série nous avons dit que nous avons dit il y a le lobby féministe il y a les lobbies homosexuels et lesbiennes qui sont là au Sénégal sur les Facebook les existants beaucoup de groupes qui ano yu bari ñokoy duggal ay di xol ki dama nopké jigen dafa nopké di xol di taté le pou di xol la population Sénégal fa ñu toll ci lolu donc en même temps franc-maçon yek secte tam ñu ngi Sénégal té ñepp xam nga ni fi gëna gaaw fu ñu mëna jëfënte ak xalé yi du école ba du ci daara ba du ci kër ga waye ci média yi la ci télé bi film bi ak artiste yam la xay top donc man lecture la ci am ma xam ni danger la bi nga xamé on est en train de transformer l'homo sénégalais à nos insu et à une autorité bu responsable mën am lecture ci lolu mën a jël les devants par rapport à ça donc sa société bi tamit elle est un peu avant-gardiste il y a beaucoup de choses yi xamné ça passe pas au Sénégal dafa am ben fond diiné bu fi nek bi xamné moy empêcher ben mode de vie bi xamné totalement à l'occidental pour nak ni mën a créer une vie très occidentale bobu ni soxla pour def le monde un seul village bi xamné fepp wara nuru donc il faut ni attaquer de qui ben par ben de xol ni wara tindé pour nous harmoniser ce qu'on appelle les LGBT, les lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, ni ñop ñom bokku ben courel ak formation ak yépp ñom yalla ñorul lent fognu dindi yalla ci doom ci bi xol do adamay dama gis ay goné sax ay goné yi xamé xam lu la mo xew di xamé ñoo japp da may fantasme suma sori ak ay mak yi xamé peut-être mak yi ñoo laal ci formation mo tax bu ñu kenn tuddu aujourd'hui ku bëgg comprendre moi je suis un analyste géopolitique j'enseigne la géopolitique. Je veux comprendre la géopolitique aujourd'hui mondiale, comprendre la géopolitique n'est que l'étude des relations, des rivalités politiques sur des territoires géographiques. Donc, si nous analysons actuellement maintenant, la puissance, ce qu'on appelle la puissance, avec l'action mondiale, nous avons besoin de comprendre la franc-maçonnerie, avec la ce qu'on appelle les lobbies des organisations secrètes, des think tanks, pour comprendre le métier, nous devons comprendre le monde qui nous ndax monde bi doxewul nuko gaay yaakaare man nuko dofi yaakaare monde bi doxewul monde bi dafa am ay groupe dafa am ay kurel yu nek dans l'ombre yi xamé ñu am seen projet de société am seen agenda di ut ni ñu manipuler ak ni ñu instrumentaliser pour ñu leen koy doxal président yeek député yu ci bari seen ay ndaw lañu ndax dañuy finance sax campagne de président pour ki leen jox leen telle loi la bëgg defal ko il y a beaucoup de loi au Sénégal voté sénégalais yi bëgguñu ko sénégalais yi demandé wuñu ko beaucoup de gens au Sénégal, beaucoup de culture au Sénégal. Donc il faut que comprendre quel est ce qu'on appelle le wadi bindon de livre de unseen hand, madame la main invisible. Il faut comprendre la main invisible. Après comprendre ce qu'on appelle le deep state,
l'état souterrain bi xamne moy doxal actuellement adduna bi li ko comprendre le dama japp xam ko rew deug yalla et les francs-maçons dañu ko keur la dispositif la c'est vrai que nak magaluma len te dox ma len ben solo dama japp ne ay sheitan la ñi xamne dañu japp ñom am na cette vision do tabaxé adduna sans Dieu parce qu'ils n'ont pas besoin des lois de Dieu de la vision de Dieu de l'enseignement des religions pour mon doxal adduna bi moi c'est tout mon contraire dans ce sont mes ennemis man c'est mon contraire dama japp ne adduna bi kiko bindete mom mo gëna yey ci wax na lañ ko wara doxale nak lañ ci wara dundé ak lañ ko wara nak ko wara yoralé kokku moy Allah subhanahu wa ta'ala donc aujourd'hui yalla fi sa ñu sa alcorane depuis bu yak lan moy les forces du mal ak les forces du bien manam yalla mom az-zulmat an-nur yalla moy mettre en guerre depuis adam depuis avant adam shaytan taxaw na tem ne man ki ennemi lay nek yalla ne ko waccal sama aljana ci fi do fi nonako ko man aduna ko lay dem ma fay mom do adam yi donc cette guerre là entre Zulmanie ak Nouranie aujourd'hui fa ñu inscrire la franc-maçonnerie ak ñeen ñepp wax deug yalla te li mo ko comprendre rek japp na lu bëré ci albi bi réel na kaawu ndengalé rek sëri maam ma do gisé ka bu doy waara bi xam def ñu waraat rek encore da da fay dëggalat li ma yag wax na tam ni livre bu bitt bu dékk def ni préfet du Sénégal ci livre bobu ma ngi woné di prouver ni Sénégal dafa am ay Sénégal yu bari dafa am Sénégal privilégié le Sénégalais privilégié ak le bas Sénégalais te li mo ne kon la logique coloniale fu toob bayu toob la fi bayu ay indigènes ak ay citoyens yi xamné de plein droit citoyens am c'est des français am fa ay commune yi xamné fu tuddu won français nga yow ñeen ñi dibul ci commune yoy ci carte commune yoy yow ba do la nga indigène nga donc toob bi organisation la fi bayyi nguur bi ko ne ko doxal li xew nak ndengaler moy li xew batay jass mo xew sidja mo xew dans littoral ci la zone de Niay mo xew ci mo xew partout au Sénégal problème bi daf ñuy renvoyer ci mu gëna sérieux ci cas bi état Sénégal manam Macky Sall mo toñ wa Ngaler ndax Babacar Ngom citoyen sénégalais bi xamné capitaliste su fekké dafa japp ni bir sangam da fay doxal sama affaire il a bel et bien le droit de bindé ma nga bëgg joxatel bir toñ n'est-ce pas mais ma taxaw tay récent dama bëgg ni maya palais Sénégal def ko cet ce pas dit su ko demene mel ma palette la rue de pour def sama terrain football yi toñuma kenn waye bu Macky Sall tofé nak ba jël palais bi ne mayna lako mom mo toñ wa Sénégal moy mo Sénégal donc Macky Sall mo sé na décret may Ababakar ma Ababakar mom limu def kon Macky Sall mo yofutif mais man je dama bëgg ñu dem au delà de ça le problème foncier problème central bi xam bu ko régler wu Sénégal ma tak daté ya deux régimes yi xam deux régimes justifié le régime de l'immatriculation avec le régime du domaine national. Il y a un régime qui est tombé sur la question du foncier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les plus nécessaires sur le domaine, sur l'immatriculation, les plus nécessaires, les immatriculés, les immatriculations qui sont actuellement, les crédits immatriculés, maintenant 160 000 Sénégalais, c'est problématique. L'un des plus domaines nationaux, maintenant, l'État Sénégalais. Aujourd'hui, terre et une entité qui s'est allée, l'État Sénégalais, il y a une tête qui faut monter. N'est-ce pas? Il dit que les gens ont déjà fait un peu de temps pour faire un peu de financement parce que c'est extra, extra. Je suis à Dakar. Beaucoup de quartiers, je suis à Medina, je suis à Rebus, je suis à Fouberi. Les gens qui sont là, ils sont là. Les gens qui sont là, ils sont là. Ils ont permis de documenter, qui est immatriculé. Donc il faut régler le problème d'immatriculation et le problème du domaine national. Le problème des zones, la loi 64-46 de Fouhon, les zones rurales, les zones terroirées, les zones pionnières, il faut régler à travers un état généraux du foncier. Parce que si on a des gens qui ont été déclarés du monde, le Sénégal est contre le Nandicho. Encore que l'État Sénégal a des souffles de l'étranger, des Turcs, des Espagnols, des Chinois. Parce que les Saoudiens sont les gens qui ont été déclarés au Sénégal. Donc pour dire que le foncier, bombe le bien, l'État est aussi un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. Des pays ont réglé la question foncière. Éthiopie, ils l'ont réglé. La question foncière au Bénin, on l'a réglé. Au Mali, ils ont réglé. Donc, nous, une bataille, on continue avec une terre coloniale. Mais en foncier, c'est le seul domaine qui a fait le feng shui. Dans toi, il y a un arsenal judiciaire. Dans ta carte depuis 1825, le premier ordonnance, toi, il y a fait ici, Sénégal, tu vois, sur le terrain. 1825, 1960. Toi, il n'a pas réussi à immatriculer 1% des terres. 1% de l'Ibaïa 1960. C'est comme question, toi, il y a aussi échoué. Bayle ko Senghor, Senghor, au lieu de régler,
sénégal jël lépp lu nekk ci dëkk bi territoire bi yëpp mu tëmbal ko domaine national jàppi ne am avec la loi 146 donc aujourd'hui il est temps bi dafay assise du foncier réglé par les bonnes femmes voilà mais day jëf jëf waaw ñun ay message yu sakkana sakkan la am ci science africaine la wax dëgg yàlla waaye su ma si tànn benn damay wax ne toutes les révolutions dans le monde entier ay jeunes ñoo ko porté nag ils ont été conscients que c'est avenir mon égange. Aujourd'hui, au Sénégal, j'ai pas l'impression que la jeunesse est consciente du fardeau que Yalla tek ci kaw bagam. Yalla dafa ñu jox tawfiq extraordinaire benen ko ko xeyma. Am 700 km de côte, am souf, am jam, am diiné. Ba ci bir souf bi ya rof lepp ñu teranga at mo xam or la, mo xam jama, mo xam pétrole, mo xam zircon, mo xam fer, calcaire. Yalla dafa ñu jox lepp ñu teranga. Maam Yalla ko daf ñu predestiné pour ñu bokk kon ci puissance mondiale en réalité. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'autre? Et ça, il y a des combats, ça y a des combats citoyens, des combats, il y a des combats étudiants avec l'IP. Mais on ne voit pas la jeunesse. L'IP, lui, il y a un jambari qui est le chef de l'équipe. Il y a des places de l'IP, il y a des marchés. Il y a des jeunes. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de se faire, mais il y a des gens qui sont en train de marcher. Pourtant, ils sont en marcher. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Dañuy xex pour suñu rakk yeek suñu doom yi nga xamne ñëw guñu peut être qu'ils n'auront pas la chance que nous avons. Donc la jeunesse nak elle doit se mobiliser et être consciente de son rôle. Fanon dafa wax bu am solo bi nga xamne la jeunesse bu nek war na daal gorgodu jaante ba xam mission bu ko xamne soit daf koy accomplir lu mu trahir ko. Algérie bi barki dem président bi ñu wacce génial ko wacce étudiant ñoo bay sen classe yi wacce talib pour wacce président bi. Aujourd'hui suñu étudiant sa lutte gisee problème mu lekk ay jëpp. Donc aujourd'hui, il est temps que cette jeunesse-là soit consciente des tâches qu'il y a. Mais bon, qu'est-ce qu'on a fait pour nous? Les Américains qui ont fait le Sénégal, ils ont fait le Sénégal. Les malades qui ont fait le Sénégal. Les gens qui ont fait le Sénégal, ils ont fait le Sénégal. Le Sénégal, nous, les Sénégalais, nous avons fait le tabac, changé. Donc, mon message à la jeunesse, c'est que nous avons fait le tabac. Comme nous avons cassé le problème de gestion, le problème de tout le monde, le problème de Google, ça va compromettre sen futur ñom dañu dara dem ci ëlëk Sénégal bi nga xamné fi fekk dal bu fi mom dara maam ils seront étrangers au Sénégal té man loolu lay ragalal suñu jëss wa xana di la jaajeufal di remercier ak équipe technique bi di contane ci dal bi ma dalal c'est trop de honneur wax dëgg yàlla di leen ñaan yàlla yàlla defal leen tawfiq yàlla màggal chaîne bi fu gën a kawese lay dor nekk chaîne bi nga xam ne chaîne d'éducation bu leer lay nekk mu toppale it mu toppale jay ni jaxal waye na jël décision yar askan yar ndaw ni pour ñu gëna xam li leen war seen digëte seen morom seen digëte seen ay morom ñaari dimension matériel ak spirituel mi xam ni buñ ko boyo le combat bi ma rek ci am tam yalla fay inshallah.